Un jeune homme de 23 ans maintenant qui a été poignardé à mort hier dans l'arrondissement Saint-Laurent. Donc, autre événement de violence, malheureusement, sur le territoire de l'île de Montréal. Et on rejoint Marie-Lise Mormina pour en parler. Marie-Lise, il pourrait s'agir d'un triangle amoureux qui a pris une tournure tragique? Véronique, ça serait une histoire de cœur qui aurait dégénéré à l'origine de cette altercation hier en fin d'après-midi vers 14h30. Altercation dans laquelle, bien, il y a un jeune de 23 ans qui a été poignardé à mort. Il a été retrouvé sans vie à l'intérieur d'un logement de cet immeuble situé sur Alexis Néon. C'est là où on se trouve en ce moment. Et également, il y a aussi un jeune de 20 ans qui a été retrouvé blessé par arme blanche aussi, qui a été transporté vers un centre hospitalier. Et le service de police de Montréal confirme son arrestation en lien avec le meurtre. Et puis, je vous laisse entendre Jeanne Drouin du SPVM. Qu'est-ce qu'on sait des deux personnes, celle qui a été blessée puis celle qui a succombé à ses blessures? Est-ce qu'ils ont des antécédents judiciaires ou... Je peux pas vous dire si c'est des gens qui étaient nécessairement connus de notre service de police. Par contre, le jeune de 20 ans aurait un dossier judiciaire. Le jeune de 20 ans qui avait été rencontré sur place, qui avait des blessures au haut du corps, qui avait été transporté en centre hospitalier, a été arrêté en après-midi par le service des polices de la ville de Montréal. Et puis, au courant de la journée, on devrait savoir s'il y aura une comparution ou non dans ce dossier-là. Hier, le service de police de Montréal parlait du jeune de 23 ans en affirmant qu'il était gravement blessé dans un état critique. Vers 22h, 22h30, finalement, le SPVM confirmait qu'il s'agissait d'un meurtre. Et ce matin, Véronique, bien, on apprend que l'homme a été retrouvé sans vie à l'intérieur de l'appartement en milieu d'après-midi. Donc, comment expliquer un aussi long délai avant de confirmer l'homicide? Le SPVM mentionne qu'il fallait laisser un moment aux agents pour aviser les proches et la famille de la victime du décès. Alors voilà, ce matin, bien, il y a toujours un périmètre qui a été établi par les policiers. L'enquête se poursuit pour comprendre les circonstances entourant ce 30e homicide. Mais comme mentionné d'entrée de jeu, il pourrait s'agir d'une histoire de cœur qui a dégénéré. Merci, Marie-Lise.